J'avoue que je suis dubitative hein, quand même par rapport au tirage que je viens de faire, parce que vu l'ambiance et tout ça, j'ai vraiment l'impression qu'on va être confiné. Donc je fais un petit tour de vérif hein, juste après le tirage. Donc est-ce que tu es sûr, mon cher petit Béline, que nous allons rester libres de sortir comme on veut de nos maisons. Est-ce que nous allons pouvoir éviter le reconfinement dans les prochaines semaines qui arrivent? Réussite. Déjà sorti tout à l'heure. Alors le fond de coupe, c'est quoi? C'est union. Donc réussite. Et découverte. Bon, mais eh bien, ça m'a l'air quand même plutôt positif. Réussite et découverte. Donc, il y a quelque chose qui va arriver. Nous allons pouvoir. Alors, est-ce que c'est découverte? C'est peut-être découverte d'un remède ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'il y a un nouveau médoc que les collectifs de médecins vont réussir à imposer qui va faire qu'on va éviter le reconfinement. Peut-être que c'est découverte. De quoi de magouille, d'informations, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a réussite et découverte. Et c'est une coupe positive hein, qui nous dit que on va éviter le reconfinement. En plus, elle est déjà sortie tout à l'heure. Réussite. Salut les amis. Le 6 janvier, je vous ai fait deux vidéos que j'ai pas publiées parce que je voulais les coller l'une à l'autre et que j'ai pas eu le temps de le faire. En fait, le sujet du tirage concernait le reconfinement, puisqu'il allait y avoir les annonces de Castex. Et en fait, déjà, je ne l'ai pas publié parce que je ressentais une réponse différente personnellement du tirage. Et après, bah, il y a eu comment dire, l'allocution de Castex qui a donné les mesures de couvre-feu avancées. Et bah, il n'était pas question de reconfinement comme le résultat donc du tirage. Cependant, c'est pas terminé non plus ces histoires de reconfinement, vu ce qui se passe dans les pays voisins. C'est aussi pour ça que j'ai un ressenti négatif par rapport au reconfinement. Mais les deux tirages, donc c'était un tirage de tarot et un béline, donc qui vont suivre cette vidéo, enfin voilà, qui vont suivre ce tirage-là, me disaient qu'il n'y aurait pas de reconfinement. Donc je vais vérifier une troisième fois en faisant une coupe avec l'oracle des épingles de Dahlia, pour voir si on va éviter un reconfinement total du pays, strict, un reconfinement strict et total du pays comme nous avons eu en mars dernier 2020. Vu que c'est une vérification, je fais juste une coupe. Nous avons la machine à coudre, comment s'appelle ça? Ah non, peloton. Je connais pas par cœur celui-là. Ben là, c'est bien là. Ça, c'est bien le sujet, hein, le fond de coupe. Donc, en plus, il n'y a pas assez de lumière. Emprisonnement, être isolé, solitude. Donc ça, c'est le fond de coupe, hein. J'ai pris ça et on va voir le résultat de la coupe. Donc ça nous donne peloton et coupe papier. Voilà, là on a bien des nouvelles hein, avec cette carte, des décisions
décision de justice. C'est intéressant ça. Et là, des travaux minutieux. J'arrive pas à lire. Bien gérer les situations. Alors, il est fort probable que, en fait, décision de justice, bien gérer les situations, qu'il y ait justement des personnes qui. Parce que là, c'est une carte positive, hein, et bien gérer les situations, c'est. Comment dire? Le fond de coupe, c'est le sujet. Donc, on avait bien l'emprisonnement, hein, l'isolement. Et ça, c'est la réponse. Bien gérer les situations. Donc, on ne peut pas dire que le confinement, ce soit une bonne gestion des situations. Et on peut penser qu'avec cette carte-là, le peloton, il y ait des personnes qui soient plus aptes à gérer les situations que les gouvernements. Des personnes qui se rassemblent pour bien gérer la situation et qui prennent une décision de justice, qui tranchent une décision de justice. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment un opposé entre la carte du peloton et la carte qui était le fond de coupe, qui était l'emprisonnement. L'isolation, ça c'est bien le contraire. Donc en réaction à l'emprisonnement et l'isolation, donc le reconfinement strict, il y a le peloton, donc un groupe de personnes qui sont solidaires pour effectuer un travail minutieux et efficace, qui résolvent des solutions. Donc, à l'issue de ce travail, une décision sera prise, quelque chose qui va trancher. Donc, je pense pas que ce soit le peloton, puisque c'est une bonne gestion. Parce que le peloton, ça peut être aussi le groupe des. Comment dire, des. J'allais dire des 1% qui gèrent la totalité du monde et qui prend des décisions, mais je crois pas, parce que ça montre quelque chose de positif. Le peloton, c'est voilà, c'est pas du tout la même énergie qu'une structure hiérarchique de pouvoir. Le peloton, c'est vraiment la solidarité d'un groupe, donc qui aura suffisamment de puissance pour prendre une décision tranchante. Donc on sait que beaucoup de choses vont bouger les mois qui viennent là, par rapport voilà, à tout ce qui est en train de se passer, et que beaucoup de personnes sont en train de d'agir pour rétablir la situation, quoi. Et enfin, mettre du bon sens dans tout ça. Donc, comme en face, il y a une obstination qui est vraiment enfin, fermée, etc., qui donne aucune ouverture, il y a le dialogue n'est pas possible. Donc, c'est pour ça qu'il y aura une décision qui sera prise, qui sera tranchée. Bon, si je rajoute encore une coupe de Béline. Une carte de Béline. Donc est-ce que cette décision, est-ce qu'elle joue pour nous? Est-ce que c'est une décision
libératrice. L'eau, ah, c'est encore, c'est pas, c'est une carte qui n'est pas tranchée, hein. Enfin, en même temps, l'eau, c'est le bateau qui permet de s'échapper, mais c'est pas assez clair. Fais une coupe. La grâce et l'eau. Donc comme ça, c'est plus clair. Donc la coupe, c'est l'eau, l'eau et la grâce. Donc effectivement, ben, c'est plutôt positif avec la grâce, où on a une décision qui tombe, qui est positive. Alors l'eau, pourquoi on a l'eau qui est sortie, je sais pas. Mais l'eau ne nous donnait pas une réponse tranchée, parce que l'eau, c'est très flou, ça change de forme. C'est assez confus, hein. C'est très dans l'émotionnel, hein, comme carte. Mais la grâce, c'est une décision tranchée qui est positive. Alors on peut dire qu'on passe d'une situation floue où tout est basé sur l'émotionnel, un truc qui change complètement de forme tout le temps, qui est un peu aussi, comment dire, c'est une carte de la lune, hein, donc c'est assez obscur, j'allais dire, à quelque chose où il y a plus de clarté qui tranche tout d'un coup.